Spécial jeu de voix, ça donne 1, dans 5, 4, 3, 2, 1, action. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'aime le cinéma. Quand j'étais petite, je rêvais de chanter les grands thèmes de films. J'aime me caler dans un fauteuil et attendre que le rideau s'ouvre. J'aime voir la complicité entre l'écran et les spectateurs. J'aime savoir que, au vu, c'est arrangé avec le gars des vues. C'est un peu pour ça qu'on va au cinéma. Pour croire, pour rire, pleurer, pour s'émouvoir. Préparer un disque, c'est un peu comme préparer un film. On choisit d'abord ce qu'on veut dire, on se fait faire un scénario sur mesure, puis on entre en studio. On travaille chaque ligne, chaque mot. Prise 1, prise 2, des fois, malheureusement, prise 349. Jusqu'à ce que le climat soit juste. C'est ce que j'ai fait pendant la dernière année. J'ai préparé mon disque, j'ai préparé mon film. Un film de 10 chansons où l'histoire se fait et se défait constamment. Ce soir, je vous amène aux vues avec moi. Alors, calez-vous confortablement dans votre fauteuil. On part. Ah oui, si on est pour passer une heure ensemble, je vous souviens de vous dire un petit secret. J'ai un peu le trac. J'ai le cœur traqué. Thank you.
Êtes-vous déjà allé à Paris? Moi, oui, des milliers de fois. Dans ma tête, des centaines de fois, en chantant Brel, Trenet, Aznavour. Des dizaines de fois, avec un ticket de cinéma. Mais une fois cette année, pour vrai, vrai, vrai. C'est à Paris que j'ai terminé mon album, au célèbre studio Mercadet, avec un ingénieur génial qui a travaillé avec Stevie Wonder, Madonna, Eurythmics. Ah, un rêve, quoi! Et c'est à Paris aussi que j'ai eu un cadeau gros comme la Tour Eiffel, une chanson de Charles Aznavour, une chanson pour moi toute seule, une chanson passionnée, une chanson rouge. Je suis là, pousse la porte, je t'attends comme autrefois. Lorsque parfois tu rentrais tard pour des raisons professionnelles, ou que tu oublies le soir pour une fille occasionnelle, là, et que moi je m'inquiétais. Viens, pousse la porte, je suis là. Pousse la porte, que le jour entre avec toi. Je ne te dirai pas ce mot qui de loin te semble reproche. Je ravalerai mes sanglots et si je tremble à ton approche, fais comme si de rien n'était. Je resterai tranquille et sage. Je n'aurai plus d'accès de rage. D'ailleurs, tu ne vas pas le croire, j'ai fait réparer ta guitare que jalouse j'avais. Que l'espoir revive en moi. Je serai calme et sans défaut et ne ferai plus de folie. J'ai mis de l'ordre comme il faut dans mes pensées et dans ma vie. Il ne me manque plus que toi. Viens, pousse la porte, je t'en prie. Pousse la porte et rends-moi le goût à la vie. J'ai changé depuis ton départ, quoi remise en cause. Tu verras qu'il n'est pas trop tard, j'ai compris mille et mille choses. J'étais si jeune, souviens-toi, j'ai vécu mon passage à vide. À présent j'ai besoin d'un guide, mais plus t'attends, plus le temps passe, et plus j'ai peur que tu m'effaces, et pire encore que tu m'oublies. J'aurais dû essayer de l'empêcher. J'aurais dû lui demander de m'expliquer. J'aurais dû l'interroger jusqu'à ce qu'il avoue tout ce qu'il cherchait à cacher. Mais je voulais pas qu'il se sente coincé, piégé. Alors je l'ai laissé filer. Il a volé mon cœur, monsieur le commissaire. C'est un voleur. Retrouvez-le. Ramenez-le-moi. Enfermez-le jusqu'à ce qu'il se meure de moi. Et puis non. Oubliez donc ça. Tout est de ma faute. Je retire ma plainte. C'est moi qui aurais dû parler. Là, au moins, je regretterai rien. Il est trop tard. J'aurais dû lui dire. Je me cache pour éviter.
Quand on fait le beau métier d'auteur-compositeur, on doit vivre avec certaines pressions. Premièrement, il y a la chanteuse qui aimerait bien qu'on lui écrive la plus belle des chansons. Il y a la radio qui aimerait bien qu'on entre dans son son. Et il y a le producteur qui, lui, aimerait qu'on en vende des millions. Mais le plus important quand on écrit une chanson, c'est qu'elle vienne de l'intérieur et qu'elle soit vraie. Quand Eddie Marnay est venu chez moi me demander si je voulais écrire avec lui une chanson pour Joanne Bouin, j'étais très heureuse. J'ai dit à Eddie, j'ai une mélodie, mais c'est une petite mélodie. C'est une chanson qui est intérieure. Je ne sais pas si elle va vouloir chanter ça. Eddie m'a dit, on va la lui écrire et on verra. Quand elle est venue, Joanne, tout de suite, elle m'a dit, Diane, c'est vendu. J'avoue que c'est à ce moment-là que j'ai jugé Joanne comme étant quelqu'un qui bâtissait sa carrière sur des chansons de qualité, sans compromis. Où le bruit que fait mon cœur
se chercher, avaient l'air de se parler. Faut que je vous raconte. J'étais à Paris, on venait tout juste de terminer le disque. Guy Cloutier arrive avec une bombe. Une chanson super extra, un vrai tube, quoi, comme ils disent là-bas. Alors, branle-bas de combat, on retourne en studio. Yves Lapierre sort sa feuille de musique et son crayon, fait des arrangements. On fait la chanson. Guy Cloutier avait raison, comme d'habitude. C'est une bombe et ça s'appelle « C'est pas ce que tu crois ». Avec toi, les règles ont changé, je veux plus jouer.
tout ce que je te demande de me dire. Dis-moi, je te désire. Je sais que c'est difficile à dire. Ouais, je sais que c'est une phrase qui porte à conséquence. Mais le désir, c'est le plus beau sentiment du monde entier. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de chanson, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de chanteuse. Hey, ça fait des millions d'années qu'on désire. Ça fait la première fois que quelqu'un pense à écrire une chanson qui s'appelle « Je te désire ». Faut dire que Joanne Blouin n'existait pas à ce moment-là. Très bien. Je te désire, dis-moi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être bouleversé au cinéma? D'avoir l'impression que les images sortent de l'écran et vous écrasent dans votre siège? On ne peut plus bouger, on ne peut plus parler, on a le cœur en boule et parfois, les larmes qui déboulent. On devient obsédé par les images qu'on a vues et on sent un besoin urgent d'en parler. Moi, j'ai vu des images dernièrement qui m'ont bouleversé au plus haut point. C'est une histoire très triste parce que c'est une histoire vraie. Malheureusement. Pierre Flynn la connaît bien, cette histoire.
C'est lui qui m'en a parlé. Les deux vedettes, Caroline et Julia. Pour Caroline et Julia, pas de rêve, pas de cinéma. Ça fait longtemps que les deux petites sont pas allées au vu. Je pense qu'elles ont oublié c'était quoi. C'est ça le plus triste. C'est une histoire dure, une histoire violente, mais c'est aussi une histoire d'une grande amitié. Alors j'aimerais ça vous montrer mes images, et si ça vous touche, s'il vous plaît, parlez-en. Thank you.
toute seule, t'as les yeux qui s'ennuient. Oh, bébé lune, pleine de calme, au métro, nostalgie.
La dernière scène est très spéciale. Quand j'ai lu le texte de la chanson, ça m'a fait penser quand j'étais petite à l'église, la tête baissée, à murmurer des mots bizarres que je comprenais même pas. Mea culpa, mea culpa. En grandissant, ça m'est déjà arrivé de pas toujours dire ce que je pensais, de pas toujours faire ce que j'avais à faire. Puis ces jours-là, j'ai compris le sens du mystérieux mea culpa. Mon âme en plein jour, je n'ai pas résisté, j'étais seule à mourir. On est venu prendre mon âme et le pire, je n'ai même pas daigné appeler au secours. J'ai perdu la folie, j'ai perdu la...